Quel plus beau cadeau puissions-nous avoir que de partager notre vie avec ces êtres vivants qui sont si expressifs, qui nous apportent tant d'amour, tant de bonheur au quotidien. Cependant, il nous arrive de rencontrer quelques difficultés à communiquer avec eux, ce qui reste normal au vu du fait que nous sommes des espèces totalement différentes. On cherche tous à créer une magnifique complicité avec notre cheval ou notre poney. Et c'est vrai qu'on avance. Il y a beaucoup de hauts, mais il y a aussi beaucoup de bas dans une relation. Des fois on avance, des fois on recule, des fois on recule plus que ce qu'on avance, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et parfois, ça peut déstabiliser parce que l'être humain n'a pas l'habitude de devoir se remettre en question et de se dire que si un animal réagit comme ça, c'est que lui n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de honte à avoir à faire des erreurs, car l'être humain est fait pour se tromper, car c'est comme ça qu'il apprend. Il est né comme ça, il ne peut pas tout savoir sur tout, mais la particularité avec un cheval ou un poney, c'est qu'il faut savoir se remettre en question et se dire « oui, j'ai fait une erreur, mais je vais remédier à ça ». Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que je suis moi-même confrontée à ces difficultés. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 3 poneys que je travaille toute seule. Et du coup, j'enchaîne parfois les erreurs, car comme chaque être humain, on n'a pas la science infuse. Mais parfois, je suis face à des difficultés qui sont beaucoup plus compliquées à gérer, comme Golden qui a commencé à prendre ses distances et où intérieurement, je me suis sentie très mal. Mais c'est normal. Des fois, on arrive à un stade où on ne peut plus gérer ça toute seule et la seule solution est de se faire aider. Car encore une fois, il n'y a pas de honte à faire des erreurs, mais il n'y a également pas honte à se faire aider. Même si j'ai toujours voulu m'occuper seule de mes ponies, car ça reste une certaine satisfaction car ils m'appartiennent et que je veux le meilleur pour eux, aujourd'hui je ne demande qu'à apprendre pour pouvoir avancer et aller le plus loin possible avec eux. On n'obtient jamais rien du jour au lendemain. On a besoin de beaucoup de travail. Demander souvent, se contenter de peu et récompenser beaucoup reste la clé de la réussite pour avoir une belle relation avec son cheval ou son poney. Mais quoi qu'il arrive, quelconque difficulté on rencontrera, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras.